Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Focus sur Pris dans les phares ou comment le théâtre peut redonner vie à un hôtel désaffecté aux confins du Lot-et-Garonne. Des deux côtés de la frontière, Charles Fréger revisite l'identité basque, à découvrir dans notre rubrique Vue. Depuis Castillon-la-Bataille, Route Zombie nous emmène au bout du monde, du côté du Burkina Faso. Rencontre en Charente-Maritime avec le monde imaginaire du sculpteur Yéphane de Villiers. Dans la rubrique Lue, émouvante parole de villageois, un pont entre le Pays Basque et les Deux-Sèvres. Faire revivre les églises par la musique ? C'est le pari d'itinéraire baroque en Périgord vert et c'est notre grand format. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Sous l'impulsion de Laurette Tessier, s'est créé à Gavaudin en Lot-et-Garonne un étonnant collectif d'artistes. Jeunes et libres, ils créent tous les étés un spectacle éphémère dans des lieux atypiques. Pris dans les phares, ou l'art de surprendre en pleine campagne. C'est parti d'un groupe de copines, en fait. C'est parti, bien sûr, de la volonté de Laurette de créer un collectif, de revenir en milieu rural, de revenir dans ses terres, de créer dans ses terres et de faire de la recherche. Laurette Cressier, je n'ai aucune idée, mais qui viendrait peut-être de Suède et qui organiserait effectivement cet événement un peu tous les ans. Pris dans les phares, c'est une aventure humaine. J'ai eu envie de réunir ces gens pour faire de la recherche artistique sur qu'est-ce que l'art vivant aujourd'hui, pourquoi on en fait et où on en fait. Et la réponse au « où » a été très claire assez vite. C'est « où » partout, mais pas dans des lieux dédiés à l'art vivant, donc pas dans des théâtres. Place de départ. Vous devez, je vous le rappelle, avoir peur lorsque le monstre sort. Vous courez dans tous les sens, vous devez jouer la peur. On investit des lieux atypiques pour y créer des spectacles uniques. C'est-à-dire que les lieux qu'on investit, on y crée un spectacle et le spectacle disparaît avec nous. Ce spectacle ne sera jamais rejoué ailleurs. Donc en fait, on crée des spectacles éphémères. Quelque chose qui existe un temps et qui disparaît. Après avoir investi des lieux grandioses en pleine nature, le collectif a choisi cette année un hôtel-restaurant désaffecté depuis bientôt 20 ans. On fait une scène d'escrime avec Quentin. C'était vraiment sur le principe de ce que nous évoquait le lieu. Ça m'intéressait vraiment de voir des initiatives artistiques partir ici, aussi de gens qui ont grandi dans le Puy-Mélois et qui ont envie de faire vivre le coin. Le spectateur va de tableau en tableau et il se balade comme dans un musée vivant. Et il rencontre donc des histoires qui sont différentes. Il y a un début et une fin à chaque tableau, ou parfois c'est un passage dans un univers d'un personnage, et c'est le spectateur lui-même qui crée à la fin du spectacle des liens. Le lieu est tellement fort qu'en fait les liens se créent par le lieu. En fait, je suis avec mes copains et je m'amuse à créer des trucs avec eux. Tout d'un coup, c'est un espace de création aussi. Je deviens acteur, mais je ne suis pas qu'acteur. Je suis créateur aussi de ce que je vais proposer, comme un enfant, en fait. Et c'est trop bien. C'est assez génial. Cette année, une jeune équipe de cinéma a décidé de réaliser un documentaire sur l'aventure de Pris dans les phares. C'est assez chouette, en l'espace de quelques minutes, de croiser un cosmonaute, un mafieux, une famille de coquiennes, un combat d'épée, une femme dans sa baignoire, un auteur, un manque d'inspiration. Enfin, moi, c'est ce foisonnement-là que je trouve très beau. Ce que j'aime aussi chez Pris dans les phares, et ce qui va peut-être diriger vers eux, c'est l'aspect cinématographique. C'est un vrai plaisir pour moi de découvrir ce processus de création. J'ai pas pu m'empêcher de mettre un peu de fiction quand même dans le documentaire, parce que je trouvais qu'il questionne vachement dans Pris dans les phares la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Et du coup, c'est ce que je voulais faire aussi dans ce documentaire qui fait aussi appel à l'étrangeté.
On a pris cet hôtel comme une faille spatio-temporelle. Les spectacles qu'on fait, c'est pas du tout des spectacles pour des gens qui vont beaucoup au théâtre. Je pense vraiment que c'est des spectacles pour tous. Nous avons fait le choix de limiter la jauge de spectateurs à 15 personnes, sachant qu'il y a 11 acteurs. Donc il y a un rapport spectateur-acteur qui est intéressant, je pense. Mais du coup, ce qui en ressort, c'est toujours important pour nous et ça nous construit, quoi. On se construit avec Pris dans les phares. Bonjour. Bien entré. Venez vous mettre au frais. Il fait chaud, hein. Bonjour. Salut, comment tu vas? Et toi? Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Les masques, les silhouettes, les costumes, les uniformes, Charles Frégé les connaît bien, lui qui s'est rendu célèbre en sillonnant le monde pour en ramener des clichés aussi puissants qu'inattendus. Ici, pas de série colorée sur les cimarrons, ces esclaves fugitifs d'Amérique, pas de yokai, ces monstres du folklore traditionnel japonais, mais une subtile suite basque faite de silhouettes en noir et blanc. C'est en découvrant la tradition des pastorales et à la faveur d'une résidence de création en 2015 que l'artiste entreprend de sillonner le Pays basque des deux côtés de la frontière. Résultat, une variation en 70 photographies et 6 séquences. On y trouve les coiffes cornéiformes des femmes du Moyen-Âge, ou encore cette tradition des hirondelles, ces jeunes femmes qui quittaient la Navarre à l'automne pour travailler dans les manufactures d'espadrilles à Mauléon. On dit qu'elles n'amenaient qu'un baluchon et un tabouret. Plus tard, les réfugiés de la guerre civile espagnole ont pris le même chemin. Charles Frégé fixe aussi les personnages emblématiques des pastorales sous l'étine, cette forme de théâtre traditionnel créée par des villageois, en langue basque, et qui raconte la lutte entre le bien et le mal. Cette suite, pleine de bruit et de murmures, n'aurait peut-être pas été complète sans Guernica. Avec un groupe de commémoration, Charles Frégé a reconstruit une frise aux accents de douleur, inspirée du célèbre tableau de Picasso. La suite basque, ou comment la photographie nous plonge dans la profondeur de l'identité basque. Depuis Castillon-la-Bataille, connexion immédiate avec le Burkina Faso en compagnie de Route Zombie. Nous avons monté une collaboration avec Art Melody, car je suis l'admirateur de ce qu'il fait à la base comme rappeur. C'est un rappeur du Burkina Faso qui habite à Ouagadougou, qui est aussi agriculteur, et qui vient souvent dans la région de Bordeaux pour venir chanter, s'exprimer, rapper. La musique que nous avons produite s'appelle Yen Bokan. Ça veut dire boucher les trous, c'est en moré, c'est une langue parlée par les Mossi. Il parle de la corruption qui se passe en Afrique. Et en fait, il fait un parallèle entre les trous qu'il y a dans la sécurité sociale, les trous sur les routes, les nids de poules, les trous dans les passoires des mamans, etc. Donc c'est un texte un petit peu humoristique et décalé pour parler d'un sujet grave en Afrique. J'aime l'Afrique et j'aime aussi ce que ça représente. Et c'est aussi un moyen de faire entendre sa langue en France et de diffuser sa culture. De travailler avec des artistes du monde entier, en tout cas, ça s'est fait vraiment super naturellement. Ça a été une très bonne connexion, on a passé une très bonne journée ensemble et le contact s'est fait super facilement. On a décidé de faire un studio dans un bus car on trouvait ça marrant, on n'avait pas forcément la place pour le faire chez nous et qu'en même temps, c'est pas mal insonorisé un bus parce que c'est désolidarisé du sol. Et du coup, au niveau du son et l'acoustique, eh ben, c'était quand même assez marrant, atypique, et que ça nous parlait, parce qu'on avait aussi toujours rêvé de voyager en bus. Alors vu qu'on voyage pas en bus, eh ben, on fait de la musique dans le bus, ce qui nous permet de voyager de l'intérieur. Installé près de Mirambeau en Charente-Maritime, Yéphane Devilliers crée un univers singulier, fait de sculptures, écritures, animaux, visages, objets et fragments. Un monde imaginaire qu'il invente à partir d'éléments trouvés dans la nature. C'est un travail
appelons-le comme ça, qui a commencé quand j'étais tout petit. Avec, vers l'âge de 10-12 ans, des problèmes de santé. Donc très souvent, alité dans une petite chambre, très solitaire, avec à gauche un mur, à droite le vide, ou ce que j'avais l'impression d'être le vide. Et pour essayer de compenser cette angoisse, je m'étais inventé des ailes. Et je me disais, si je tombe, je pourrais m'envoler, devenir un oiseau et me poser sur la branche d'un arbre. Après Londres et Bruxelles, c'est finalement à quelques encablures de l'estuaire que Yéphane a choisi de se poser. C'est là qu'il aime déambuler en quête du souffle de la nature. Cette Gironde, qui est à deux pas d'ici, où je traverse les marais, là aussi les quantités d'oiseaux, et je suis là, seul, marchant presque tous les jours à la rencontre de ces objets, qui sont peut-être eux à m'appeler. C'est peut-être eux qui me disent « Prends-moi, j'ai envie de revenir et de continuer une certaine forme d'existence. » Peut-être un moment qui est fondamental et inexplicable, c'est la rencontre avec les matériaux. Qu'est-ce qui fait que ce petit fragment d'arbre va être ramassé, rapporté, parfois il peut attendre des mois ou des semaines, très longtemps dans l'atelier avant d'être utilisé, et puis ça se fait. Dans la civilisation de Yéphane, il y a des silhouettes oblongues, serrées les unes contre les autres, mais aussi des formes arrondies, comme ici, avec cet ours de métal chevauché par un ange. Il y a les personnages qui sont de plus en plus nombreux, et puis ces personnages sont accompagnés de chariots, sont accompagnés d'objets, sont accompagnés de ce que j'ai appelé des fragments de mémoire. À l'intérieur de chaque fragment de mémoire, il y a un objet secret. Et puis un jour, j'ai décidé que ces fragments de mémoire seraient distribués à travers le monde. Et c'est ainsi que l'Arbonie, l'intrigante civilisation imaginaire de Yéphane de Villiers, s'est petit à petit élaborée. Je pense que ce travail ne peut se faire que dans ce silence proche des arbres, qui me donne cet étonnement aussi. J'ai besoin de cet étonnement quotidien, de cette surprise, d'être surpris tous les jours, le matin, par la lumière. Je conseille à tout le monde d'essayer, si possible, de garder un petit peu son âme d'enfant. Nous, les Décévriens, nous partons. Nous sommes des aventuriers. C'est comme cela, c'est prévu, c'est écrit. C'est notre destin incontournable. On voit nos mères accumuler les pots de moutarde dans le placard du haut de la cuisine pendant notre lycée. Elles les conservent pour notre prochain départ. Ils se transformeront en verre dans nos futurs appartements quand nous serons des futurs citadins. On le voit, on nous prévient, on nous prépare. On nous formate à délaisser notre terre, à partir. Moi, je l'ai attendu. Tous les jeunes l'ont entendu. On nous a dit, on leur a dit, et on leur dit encore aujourd'hui et certainement demain. Quand tu auras ton bac, tu partiras pour réussir. Alors j'ai choisi Paroles de village de Nouvelle-Aquitaine, Hérite Sac chez nous autres, hein, parce qu'effectivement, c'est un livre de rencontres. Rencontre entre des artistes qui ont fait le collectage de la parole de citoyens, d'habitants de territoires de Nouvelle-Aquitaine, où on a eu envie de travailler ensemble pour donner à entendre la parole des gens de cette nouvelle région qui nous est offerte à nous, et comment on s'en empare et comment on parle des questions de citoyenneté, d'identité au territoire, de questions de la langue. À partir du collectage de la parole des gens, ce sont des artistes qui ont écrit des histoires. Ce sont des histoires, parce qu'ils ont mêlé le collectage, ils y ont intégré aussi leur propre imaginaire. Il y a les témoignages qui ont été écrits, réécrits par les artistes, et puis il y a les photos qui sont des traces, des empreintes aussi de nos territoires de Nouvelle-Aquitaine, parce que je crois qu'on ne peut pas parler d'un territoire, mais des territoires de Nouvelle-Aquitaine.
Donc la question d'avoir des racines, c'est pas être identitaire au sens négatif du terme. C'est-à-dire que pour être citoyen du monde, on a aussi posé cette question-là, plus tu as les pieds ancrés dans ton territoire, plus tu es en capacité de regarder autour de toi. Si la musique baroque résonne dans les vallons de Dordogne, on le doit d'abord à un Néerlandais. Organiste, claveciniste, chef prestigieux, Ton Koopman a choisi le Périgord vert pour imaginer un festival qui lui ressemble, exigeant et attachant. Itinéraire baroque en Périgord, ou comment ouvrir grandes les portes d'églises oubliées pour y faire entendre le meilleur de la musique baroque. Ton, il est arrivé dans notre région, j'allais dire comme n'importe quel Hollandais ou Anglais qui vient s'installer ici. Il a été subjugué par ce patrimoine, ce petit patrimoine que nous avions. Mon Dieu, il a de très belles églises, pourquoi on ne fait pas quelque chose? Et j'ai pensé, ok, je fais un itinéraire baroque ici comme cadeau pour dire merci Dordogne que je peux vivre ici. Depuis le début, mon job, c'est l'itinéraire de la journée du samedi, cette idée originale de Ton Koopman. Tous les festivaliers se retrouvent dans un lieu un peu grand, cette année Saint-Jacques-de-Terre. Et ensuite, on part en itinéraire vers 5 lieux différents. Dans chaque lieu, il y a un concert de 30-35 minutes. Ces lieux sont historiquement des églises romanes. Et puis, depuis quelques années, on a ajouté un château. C'est à la fois un parcours d'initiation ou de dégustation. Initiation pour ceux qui ne connaissent pas, si ça ne leur plaît pas, finalement, c'est pas trop long, donc ça va. Et dégustation ben, pour ceux qui connaissent bien, donc ils prennent vraiment l'excellence à chaque étape. Évidemment, la musique à deux, un duo comme ça, c'est idéal dans un lieu plus petit qu'une cathédrale ou une grande salle. Donc, une petite salle, une église, ce sont des lieux idéaux pour jouer et pour écouter, en fait, cette musique. Donc, oui. Et la beauté du lieu, bon, c'est une chose qui fait plaisir à nous qui jouons et sans doute aux gens qui écoutent. Pues que es una idea muy original y realmente muy bonita la posibilidad de escuchar el mismo día en varias iglesias el mismo concierto, el paisaje, las iglesias románicas, los palacios, cuando se hacen los conciertos en palacios. Creo que es uno de los festivales de música barroca más interesantes que hay ahora mismo en toda Europa. Thank you.
finalement, il est assez rare qu'on ait 5 fois la possibilité de jouer dans la même journée et de se renouveler. Alors, non seulement on renouvelle le public, mais en plus on renouvelle aussi la manière dont on va jouer les œuvres. On varie les tempi peuvent varier en fonction du moment de la journée, de ce qu'on ressent, de l'humeur. Et puis aussi les nuances, enfin des choses qui ne sont pas forcément écrites, pas fixées dans le marbre, parce que la musique baroque a cette capacité aussi de se développer, elle se meut en permanence. La première année, c'était moi aussi qui avais fait l'itinéraire, j'ai joué le clavecin dans Saint-Paul-Isonne, je me souviens encore, une très belle église, maintenant restaurée, parce que ça, c'est un effet à côté des concerts. Et maintenant, il y a plusieurs églises restaurées, et je ne dis pas c'est grâce à nous, mais en tout cas, on a aidé un tout petit peu pour ça. Toon Koopman, l'un des musiciens les plus connus aux Pays-Bas, et le prof, très nombreux musiciens, ben, il les fait venir. Et on a donc la crème de tout ce qui se fait aux Pays-Bas, qui est un des pays à la pointe de la musique ancienne. Bassoniste, quand le basson se fait pouit, 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 pouit. Mais il nous a montré qu'il peut faire de la musique élégante, vivante, émouvante aussi. C'est des moments de bonheur et des moments de découverte, et ça c'est important. Alberto, qui fait les pièces de théâtre ce soir autour de Marin, c'est un de mes grand ami depuis 45 ans. Bien avant moi, il a été dit, la viole de gamme doit être maintenue entre les genoux de telle sorte que même sans la soutenir avec la main, elle ne tombe pas. Et que l'archer puisse jouer sans que les genoux ne l'empêchent. Et il n'y a pas de la musique ancienne, il y a seulement des partitures, des partitions anciennes. Et la musique est toujours contemporaine. Elle existe seulement si on la joue. Autrefois, il n'existe pas. La musique sur la carte, c'est rien du tout. Il faut la jouer. Le prochain numéro de Chant Libre, focus sur la Navarre et le festival de théâtre El Galinero aux portes du désert des Bardenas. L'italienne Emanuela Meloni promène son objectif entre Sèvres niortaise et Océan Atlantique. À Pont-d'Envaux, les Lapidiales confient leur carrière à des sculpteurs venus du bout du monde. Rencontre à Faux-la-Montagne avec le monde étrange de l'artiste multimédia Pierre Redon. Dans la rubrique Lue, la plume puissante de Marie-Hélène Lafont avec l'annonce. La Corrèze en tête de toutes les avant-gardes avec Histoire de Passage, un festival aussi local que global. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.